mois, Chaplin tourne 35 films, cependant que le parc automobile de la Keystone s'agrandit à vue d'œil. 1915, compagnie SNE, 1 250 $ par semaine. 1916, la Mutual Company lui offre un contrat de 650 000 $ pour 12 films dans un délai de 1 an. Il reçoit un chèque de 150 000 $ à titre d'avance. Le petit vagabond de Kennington se demande s'il rêve. En 1917, 1 million de dollars à la First National et il construit en 1918 ses propres studios à Hollywood. Il date et signe. Salut ma fille. Alors regarde des dessins animés. Ben, tu travailles pas? Non, je suis en train de repeindre des passages piétons, mais là. Une bonne idée ça, hein. Oh, ça fait du bien. Osman. Merci. J'ai eu une autre bonne idée. Oula. Une idée, je sais même pas comment je l'ai eue. Une idée qui va changer ta vie et celle de ta famille. Mais je t'ai pas demandé de changer ma vie. Ce que je veux, c'est que ma femme sorte de l'hôpital. Je suis très bien comme ça, moi. T'es très bien comme ça? Bah oui. Dans ta petite maison qui prend l'eau, avec ton poulet allié, avec ta fille qui fera ce qu'elle pourra, et pas ce qu'elle veut. Qui pourra pas faire les études qu'elle veut. Hein? Prends pas l'eau ma maison. Hein. C'est dommage. Parce qu'avec mon idée, tu vois, ta femme, c'est pas marcher qu'elle va faire. C'est voler. Qu'est-ce que t'es con? Tu veux pas l'entendre? Vas-y, accouche. On va demander de l'argent à un ami. Tu as des amis qui ont de l'argent, toi? Et toi aussi, je te signale. Bien sûr, ouais, j'en ai plein. Le seul problème, c'est comment lui demander. Parce que vois-tu, il est un petit peu mort. Qu'est-ce que tu racontes? Tu sais qu'on a enterré Chaplin hier. Tu sais qui c'était Chaplin? C'était lui, notre ami. Chaplin, c'était l'ami des sans-logis, c'était l'ami des migrants, c'était l'ami des pauvres. Ouais, ferme ta gueule et dis. Et nous, on est les trois, on est les trois. Arrête de dire des conneries. Écoute-moi, quand j'étais en tôle, j'ai rencontré un mec, un italien, et il connaissait un type, on l'appelait le Calabré, parce qu'il est de Calabre. Tu sais comment il gagnait sa vie? Il enlevait des patrons. Et il les foutait dans une grotte. Mais sympa, hein, sympa, il les nourrissait, nickel, nickel. Et après, il demandait du fric. Il s'est jamais fait prendre. Jamais. Et maintenant, on va faire pareil avec Charlot.